en compagnie de Bernard Le Régent, heureux entraîneur du gagnant du Grand Steeplechase de Caen en 2023. Première question, ça fait quoi de gagner comme ça devant un public comme ça ce jour-là? C'est très bien, très bien forcément. Et puis on est très content vraiment parce qu'à la base, je me voyais une petite chance, mais de là à gagner la course, c'était une autre paire de manches. J'avais confiance en mon cheval, voilà. Mais non, après, bon, Cran réussi. J'avais gagné, comme je disais, en 87, le prix des Gentlemen, Léon de Serve. C'est moi qui portais mes couleurs. J'étais un peu moins gros, forcément, à l'époque. Mais bon, j'avais gagné. Et après, j'avais gagné, sous l'entraînement de Christian Le Gaillard, un cheval à moi qui s'appelait Quality John, qui avait gagné TOP. Donc, c'est un champ de course qui me réussit assez bien. Ouais, c'était un vrai challenge. C'est un cheval que vous avez récupéré de chez Arnaud Chalet-Chalet. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce cheval. L'histoire du cheval, en fait, c'est que Monsieur Minier, Bruno Manta, qui ont beaucoup de trotteurs, m'envoient souvent des chevaux au repos de trop. Je soigne des petites tendinites, des trucs comme ça. Et du coup, ce cheval-là, il devait partir, en fait, à chasse à cour. Et comme il y avait un trotteur qui devait venir chez moi, Eric Fournier, un collaborateur à Monsieur Bruno Manta et Claudine Minier, lui a dit tout simplement, au lieu de le mettre à chasse à cour, amène-le chez Bernard Le Régent. Il va peut-être essayer de soigner un genou qui était un petit peu forcé. Puis en fait, j'ai soigné le cheval de la façon dont j'ai pu. Et puis je lui ai dit, il me dit, oh, je sais pas ce qu'on va faire du cheval. Bon, j'ai dit, l'année prochaine, si jamais tu veux me le louer. Bon, puis au mois d'avril, il m'a appelé pour si je voulais louer le cheval. J'ai dit, oui, je le prends. Et puis et le cheval était très peureux. Il avait toujours été très peureux et puis il sautait pas très bien. Et puis moi, en fait, il a pris confiance. Et puis j'ai fait l'inverse de tout le monde. Chez moi, il n'a pas sauté. Il n'a pas sauté. Pourtant, vous avez couru en haie, en cross, en slip partout. Pour vous dire que moi, il n'a jamais sauté. Il a été peureux. Il est venu en confiance et il s'est fait tout seul sur les obstacles. Donc, merci à Monsieur Arnaud Chaillet qui l'a très très bien dressé. Quand on travaille des grands professionnels, il faut surtout rien faire. Le mot sera le mot de la fin. Félicitations.